ça là vraiment. Tu sais, ils sont mal organisés. Sinon, ils sont pas méchants. Mais je leur ai donné 3 jours. 3 jours. Ce matin, ils devaient me payer. Je crois que personne ne répond. Hé, Wata, Wata, donne. Venir s'enraciner comme ça devant la porte des gens. C'est quoi? Tu as faim, non? Même pas. C'est pire que ça. Il faut que j'aille aux toilettes. Madame? Mademoiselle? Célibataire sans enfant. Bonjour. Bonjour. Je suis ici. Je me donne un peu de forme là. Ah, mais c'est très bien de voir une charmante. Comme ça, discours. Merci. Je peux avoir votre contact? Ben oui, bien sûr. Okay. Oui, c'est. Je suis au 20-33-00. Ok. Je peux vous inviter tout de suite au café, si ça vous plaît. Avec plaisir. Et vous, c'est qui? Dansou Daoudi. Dansou Daoudi? Ah! C'est pas vrai. À tout à l'heure, alors. Je vous appelle tout de suite. Avec plaisir. Allez. Oh, Irina, hein? Vraiment ces gens-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. T'imagines? Ils m'ont dit oui, on a été en prison, quoi, on a été arrêté, on a été enfermé. Je crois que je les ai compris. Je leur ai donné 3 jours supplémentaires. Je leur ai dit, aujourd'hui là, il faut me payer. Voilà. Ils ne sont pas sortis en tout cas. Moi, je ne les ai pas vus. Non. Moi, je les surveille depuis 5 heures et depuis un très long moment. Hein? Depuis un bout de temps, je les surveille. C'est pas possible. À moins qu'il soit invisible. En tout cas, moi j'étais là depuis. Est-ce que toi tu ne les aurais pas vus par hasard? Ah, Lucie, vous êtes tellement magnifique. Quelle chance j'ai. Mais vous exagérez. On pourrait se tutoyer, non? Oh oui, enfin, j'hésitais, mais je trouve que cela nous rapprocherait davantage. Lucie, tu es tellement magnifique. Mais arrête, ils sont comme ça, tous les hommes, c'est pas pour me draguer, j'espère. Te draguer? Mais non, je suis sous le coup de ton charme. Et pour me dire que tu n'es pas marié? Oh, malheureusement, non. J'attends l'âme sœur, tu sais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au moins, je suis dans l'import-export et puis le antique un peu. Ben, moi, je suis dans les affaires aussi, principalement BTP, bâtiment et travaux publics. C'est bien ça.
débordé des marchés de l'État. Et l'un dans l'autre, ça va. Très bonne situation en tout cas. Moi, les marchés de l'État, non, je préfère les espèces trébuchantes et sonnantes. Ah, moi aussi, je les aime. Oh, mais tu es magnifique. Mais arrête, monsieur Gaoussou. Ah non. Ben vas-y, alors prouve-le-moi une fois. Non, mais non, tu vois, je suis tellement. Et puis comme ça, ça est. J'adore. Oh. Sacré dragueur. Comme non, tous. Mais si vous voulez, il faut que j'aille au chicot. Ce n'est pas de bêtises, hein. C'est pas le moment. Non, non. Faut, excuse-moi, mais il faut que je parte tout de suite. Mais tu es malade. Malade. Tu vas faire comment? Il faut discipliner ton organisme un peu. Tu dois avoir des heures pour travailler, des heures pour manger, des heures pour te reposer, des heures pour te soulager. C'est comme ça que moi je fais. Écoute, moi je ne suis pas une machine et je ne suis pas comme toi. C'est quoi? Ah, de toutes les façons, il faut que je sorte. D'accord. Bonjour. Vous n'avez pas vu ces gens là par hasard? Qu'est-ce que ça veut dire? Sortir? Non, non. Apparemment, ils sont sortis. Non, oui. Moi, je les surveille depuis un bout de temps. Ah. Non, 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 ils doivent être dedans. Il faut rester, ils doivent être dedans. Ils vont aller où? Ils doivent être dedans. Je n'ai pas le choix. Vas-y. Mais tu vas faire comment? Bon, vas-y. Va, vas-y. Attends, comment tu parles là? Je m'en fous. Si je sors, tu gères et tu disparais. Prends ta veste comme ça, tu fermes la porte et on disparaît. Même si c'est jusqu'à demain, moi aussi je suis là. Ils doivent être là. Oh, ah. Ces gens-là. Wata, wata. Wata, wata. Ouvre. Ouvre. Fini ta diarrhée et viens me donner mon argent. Quoi? Tu crois que tu peux te donner un cadeau chez moi comme ça? Regardez-moi ça. Il n'y a pas de ça. Oui. 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 Ah, commissaire. Gaoussou. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah. Ma secrétaire a essayé en pagaille plusieurs fois de te joindre. Mais... Hein? Tu as changé de numéro ou quoi? Non. Tu sais, j'avais effectué une petite mission dans un pays voisin. Oh, c'est pour cela que j'étais injoignable. Ah, d'accord, je comprends alors. Ah, ouais. Nous, nous voyageons beaucoup. Oh, ça, ouais. C'est vrai. Alors, Gaoussou. Oui? Tu peux en parler? Non, enfin... Aimez-vous l'honneur de cette visite? Oh, ouais. Je tenais... justement à venir te renouveler mes remerciements pour la diligence avec laquelle tu as retrouvé l'enfant. Hein? Mais cette fois, mes problèmes, c'est tes amis douaniers qui persistent avec ça. Oui, tu sais, le problème du colis suspect, ça n'a pas encore été réglé. Donc, mes marchandises sont bloquées. Alors, je souhaiterais que tu interviennes. Et puis, le monsieur il refuse qu'on lui donne quelque chose. Oh, si ce n'est que ça, hein? Ah bon? C'est un petit problème. Merci. Je vais régler ça avec leur patron. Ah, d'accord. Tu peux compter sur moi, Gaoussou. Merci, merci. Et, par ailleurs, j'avais un autre problème.
Toi, tu ne finis pas avec tes problèmes. Méfie-toi. Oui, ça va aller. Mais mon deuxième problème est que je souhaiterais avoir ton concours pour revendiquer la paternité d'un enfant en justice. Si les choses se passent comme je le souhaite. Oui. Tu veux parler encore du petit Dieudonné là? Je te vois venir. Ouais, c'est ça, Gansou, je ne vais pas te cacher la vérité. Tu sais, cette fois-ci, c'est un os très dur. Comment ça? Ah oui. Avec Ina comme adversaire. Ah, mais nous risquons gros si tu persistes. Ah non, non, si c'est ça, je sais. Ah oui. Mais j'y arriverai. Es-tu prêt à m'aider? Gansou, ton problème, c'est mon problème. Merci. Je ne peux rien te refuser, Gansou. Ah ouais, ça, je sais. Tu peux compter sur moi. Ah, ça, je sais. Oh, ouais. Bon, cependant, il y a des situations... toi-même, tu sais. Ah oui. Ben, ça, c'est pas grave. Non, écoute. Non, tiens ça, il n'y a pas de problème. Tiens. Allez, mon cher. Ah, tiens, mon cher. Allez, 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 à tantôt. Ah, ouais. Gansou. Comment on va faire? Ça va barder. Prenez place. Je sais que c'est vous qui avez passé l'appel, n'est-ce pas? J'ai des témoins qui vous ont vu entrer dans le télécentre à la même heure que l'appel passé à Maître Sana. D'ailleurs, votre voix a été enregistrée par le système automatique de son téléphone portable. Je suis allé le vérifier à l'agent de téléphonie mobile. L'enfant, c'est vous qui l'avez enlevé, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas moi qui ai enlevé l'enfant, je vous le jure. Ne jurez pas ici. Pourquoi vous avez menacé Maître Sana au téléphone? Pourquoi elle a fait condamner mon enfant? Je lui avais promis qu'elle allait souffrir. Ce n'est que le commencement. Preuve que c'est vous qui avez enlevé Dieudonné. Si je connaissais ceux qui l'ont enlevé, j'allais les féliciter. J'ai suivi les éléments à la télé comme tout le monde. Mais je dis, tant que mon fils n'est pas libre, il n'a maudit à jamais. J'espère que vous mesurez la portée de vos propos. Bien. Où vous étiez avant-hier entre 7h et 10h30? J'étais à l'hôpital. Un de mes enfants était malade, vous pouvez le vérifier. J'en ai fini. Allô? Le coca, tout est rentré? Oui, tout est rentré. Attends. Il est venu nettoyer la piscine. Il est venu ce matin. Okay. Salut les gars. Comment ça va? Bien. Ça va. Alex. Ça va. Ça va. Bon, je vais vérifier ça. Attendez-moi, je reviens. Ok, d'accord. Fatiguant. Ça va? Ça va. Et ton patron? Il dort. Quoi? À cette heure-ci? Il est presque 10 heures et lui, il dort. Ok, tu m'attends, ok? Ok. Je peux avoir une bière? Kodina! Ika foli bimbolo! Ika foli bimbolo! Ika
folie Bembolo. Koutina, vraiment tu es très fort. Je suis tombé amoureux dès le premier regard. Je suis content pour toi. Merci. Fais un don au fétiche. Et de ta vie, tu ne souffriras plus jamais. Non. Mais fétiche me l'avait prédit. Ah, je ne douterai plus jamais de toi. Tiens, tiens. Hein? Tu le dois au fétiche. Ah bon, je pose. Koutina, vraiment, tu es fort. Vraiment, merci beaucoup. Ah, Koutina. Je n'ai pas de clé. Hé, Koutina. Bon, vraiment, merci. Gina, quoi, Gina t'accompagne. Yo, c'est quoi? Hey, pardon. Chérie, c'est qui là? Y'a quoi? Oh. Pardon. Yo, on n'a plus droit à une petite partie d'intimité dans ce pays-là. Chérie, puis... qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'arrive. C'est mon gars, petit policier. Attends. Et puis tu rentres comme ça, tu frappes même pas même. Oh, pardon, monsieur le PDG. Ça n'a rien Tom, à voir. Tu sais que c'est une question d'habitude. Hein? Et puis, je ne savais pas que tu faisais la sieste maintenant, là. Vous laissez ça, là. Vous êtes au bar, là-bas. Oui, je suis avec Alex. Oh, donc, j'arrive là-bas. Donnez-moi 5 minutes, pardon. Okay. Voilà, voilà donc, à tout à l'heure. Voilà. Les gens sont pas sûrs de ce pays-là. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison. Au fait, il y a quelle urgence même pour que vous venez me déranger au moment où j'étais en plein attrapage? Et puis c'est surtout au moment où j'étais doux. C'est ça qui me fait mal, quoi. Joe, nous on était juste de passage, on est venu dire bonjour, c'est tout. Hein. Quel bonjour? J'ai fait quoi avec ça? Et comment ils sont? Hey, quoi? Toi là, si tu n'es pas content de nous voir, nous on peut se casser. Non, en fait. Au fait, j'étais avec Maeva. Ça fait 2 jours. Et vous-même? Ouais. Ça va? Les activités. Ouais, ça peut aller. Les oh, oh. Les wow, wow aussi. Les tranquille. Et Alex, de ton côté? Non, ça va. Mmh. Petit, ça bouge. Le petit? Ouais, il va bien. Touche bien. Ah ouais. Ma chérie. Ah. Je l'ai levé de ma douce. Bonjour les amis. Et... bonjour. La Maëve. Ça va bien? Ça va. Ça va? Chez vous? En violet là. Ouais. En tout cas, ça te plaît pas la couleur? Non, moi ça me plaît, ça va. D'accord. En tout cas, mon frère, pour une grasse matinée, faut dire que tu ne. Faut quitter là-bas! Faut quitter! Il me pervers comme ça! Et vous, ça se passe bien? Ça commence bien. Mieux commence bien. Ah, d'accord. Donc, ouais. Tu vois pas? C'est vrai que j'ai déjà commencé, mais bon, à. Henri. Et puis matin. À notre amour. Ah ouais, à votre amour, c'est ça. Quoi, Gina? Tu ne sais pas ce que tu m'as fait découvrir. Ah. Hi, tu as vraiment pris des galons dans ton métier maintenant. Hey. Il m'a déshabillée avec ses yeux. Hein? Il m'a décrite au détail. J'en ai eu la chair de poule, je t'assure. Exactement au geste que tu m'avais prédit.
Ne me dis pas ça. Yeah. Cette fois-ci, là, je sens que c'est du propre, Godina. Ce que tu ne sais pas, je suis devenu le plus grand féticheur du monde. En Chine, on me connaît. Même à Nantes. Souvent, même, on m'appelle de là-bas pour des interventions à distance. Mais, donc, dans ce cas-là, fais tout ton possible pour que ça prenne entre ce monsieur-là et moi, Kwadjina. Tu dis, comment il s'appelle déjà là? Gaoussou Daoudi. Les gens devaient le Niger. Même là-bas aussi, on me connaît. Hein? On m'appelle souvent aussi pour des interventions. Kwadjina. C'est précisément à Niamey. Gaoussou. Daoudi. Gaoussou. Prends ça. Tu appelles l'inverse du nom. Daoudi Gaoussou. Et puis tu portes ça ici. Voilà. Gaoussou Daoudi est sous ton jupon. Et Kwadjina, tu as dit ça encore. Eh, vous voilà. Eh. Voilà, voilà. Donc cette fois-ci-là, c'est du propre. Eh, il sera le futur père de tes enfants. Vous en aurez 5. Tous des garçons. Des enfants à cet âge-là. Eh. Hein? Oh. Kwadjina, je vais te dire une chose. Si tu mens cette fois-ci-là, hein, tu verras de toutes les couleurs avec moi. Je ne suis pas ton étrangère, moi, Lucie. N'oublie pas que mes fétiches viennent de l'Afrique profonde, l'antre des vaudous. Je peux même prédire la date exacte de la mort de quelqu'un. Tu es intéressé? Pardon? Qui te parle de mort ici? Je te dis de tout faire pour arranger bien entre Gaoussou et moi. C'est tout ce que je te demande, Kwadjina. Mais c'est ce que j'ai fait. Donc, cette fois-ci, là, c'est du propre. Alors, tu crois pas?